cette chanson que vous semblez connaître, vous connaissez même bien, me vient du fin fond de mon enfance. Et plus ou moins consciemment, quand je l'ai faite, j'ai pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. D'autant plus que c'était la fête. C'est la fête. Et je me souviens, je devais avoir 5-6 ans. On n'était pas loin de la fin de la guerre d'Algérie. Nous étions en cabinet, elle et moi, elle était en train de battre du lait qu'elle a mis dans une canne basse, vous savez, suspendue à la poutre de la pièce. Grâce à une corde, elle faisait ce geste-là. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà dû voir le faire. Ce qui était curieux, c'est qu'à travers le rythme qu'elle imprimait à son instrument, elle rythmait aussi des choses qui venaient de son fort intérieur. Et donc je la voyais chanter beaucoup, soupirer, parler énormément, sourire parfois. Et vous savez, à 5-6 ans, on ne domine pas tout. Et bien sûr, ayant grandi et surtout ayant emmagasiné ces vibrations, ces couleurs, ces sons et ces images dans ma tête, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que se confier à son instrument. Probablement parce qu'à l'époque, elle ne devait pas avoir d'autres interlocuteurs valables. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai compris, je voyais défiler avec ses mots le quotidien d'une femme de chez nous, avec ses joies, ses peines, etc. Et c'est là où j'ai compris une chose, c'est qu'il n'est pas évident d'être une femme dans n'importe quelle société, il ne faut pas se faire d'illusions, la parité n'est pas encore pour demain. Et que ça l'est encore moins dans des sociétés à forte tradition comme la nôtre. Et j'en voulais pour illustration cette femme qui se trouvait être ma mère, qui aurait pu être une autre femme, tout simplement. Elle était là donc, subissant la loi du mal, du milieu, parce que la vie n'était pas toujours rose pour elle, voilà. On les aime toutes, on les représente d'une manière mythique, et je me demande si certains d'entre nous on fait ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit épanouie. Et donc, cette femme, c'est la mienne, c'est la nôtre, c'est notre maman à tous. Voilà. Et je me suis rendu compte que lorsque j'ai fait cette chanson, bizarrement, j'ai senti qu'elle ne m'appartenait pas à moi, mais qu'elle nous appartenait tous, vu les relations affectives que nous avons avec nos mamans. Et à ce titre, j'ai l'habitude de la partager avec vous. Et là où que je sois, je demande toujours au public devant qui j'ai l'honneur de m'adresser, de la partager avec moi. Et ça, je vais vous demander une chose bien simple. Essayez, si vous le voulez d'abord, si vous le pouvez ensuite, d'avoir l'image claire, précise, de celle que vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans notre cœur. Si elles ne sont plus là, ma foi, comme disait le poète, réjouissons-nous surtout de les avoir connus en pensant à ces moments agréables qu'on a passés ensemble. Et souvenons-nous surtout de ces larmes qu'on a versées devant nos chers tombes. Vous savez, toutes ces larmes qui proviennent des mots qu'on n'a pas pu dire ou qu'on n'a pas su dire au moment où il le fallait, ou de ces choses qu'on n'a pas su faire tout simplement, qu'on n'a pas pu faire. Mais ne nous inquiétons pas, parce que vis-à-vis d'une maman, vous savez que le pardon est dans tous les recoins de leur cœur. Si elles sont encore vivantes, magnifions-les, célébrons-les encore et encore, parce que je suis certain que vis-à-vis d'elles, nous avons quelque chose à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Vous savez, ce soir, on forme une petite famille. Essayez de rentrer en vous-même, rentrons en nous-mêmes tous pour voir laquelle ou lequel d'entre nous aura eu l'audace d'aller pêcher dans le tréfonds de leur cœur, le moindre de leurs frissons, la moindre de leur fragilité. Et surtout, cessez de voir en elles des mamans couveuses ou allaiteuses qui ne sont faites que pour la production, la reproduction, parce que tradition oblige. Laissez la place tout simplement, le temps d'une chanson à une femme, avec ses faiblesses, ses amours contrariés ou pas, son état de femme tout simplement. Et à côté de cette femme, j'aimerais que l'on y associe ces images de millions, de millions de femmes qui sont dans toute l'Afrique du Nord, parce que je sais qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre peut-être toutes des moments comme ce soir. Et je voudrais qu'à partir du moment où on pense à elles,
cette concentration fait qu'il n'y a plus d'Algériens, ni de Tunisiens, ni de Libyens, mais quelques centaines de cœurs qui sont là, assis les uns à côté des autres, prêts à sortir de ce qu'ils ont en émotion. Et que de cette concentration, on imagine naître une sphère d'énergie qui volera dans le ciel, qui ira leur porter notre salut, et surtout s'éparpillera en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur qui en a bien besoin. Et à ce moment-là, il sera écrit quelque part dans le ciel de Dieu que quelques centaines de gens dans une ville qui s'appelle Hammamet en Tunisie, ces centaines de gens, de cœurs, ont fait quelque chose de magnifique. Sindou. Yeah.
merci pour elle en tout cas. Voici maintenant la chanson à cause de laquelle, ou grâce à laquelle d'ailleurs, je suis là devant vous. Moi qui étais appelé à chercher du pétrole, du gaz dans le sud de mon pays, le destin l'a décidé autrement. Quel cas de toi, c'est par là, allez. Non, c'était pas tout à fait ça. Cette chanson s'intitule toujours « Ababa Youno ». Vous la connaissez celle-là aussi? Même celle-ci. Ah, vous êtes fort. Bon, cette chanson, beaucoup de gens pensent que c'est un conte, une légende de chez nous. C'est vrai que le refrain est tiré d'une légende très connue chez nous. Mais le reste, vous savez, il parle de ces fameuses ambiances d'hiver, le soir au coin du feu, à une certaine époque, parce que là, je vous parle d'un temps que les moins de 300 ans ne peuvent pas connaître. Et c'était le temps où la chaleur des gens était proche de la chaleur du feu. Au sortir du boulot, tout simplement des champs, les gens revenaient chez eux dans un environnement où animaux et humains vivaient en bonne intelligence, si je puis dire. Donc c'était ces temps immémoriaux qui tissaient la fable pour nos cœurs avec toutes ces légendes que nous racontaient nos grands-mères. Vous savez, toutes ces choses qui nous ont émerveillés ou fait peur, en tout cas, qui ont suscité nos frayeurs et nos rêves d'enfants et qui ont tissé la fable pour nos corps à travers le métier à tisser derrière lequel ça ferait nos dames. Voilà, pour sortir un burne ou une couverture ou autre chose. C'est un moment qu'on a placé sous le signe de la mémoire, c'est surtout important parce qu'il a existé aussi bien ici qu'ailleurs. C'était le temps de Ababa Youno. Tout simplement, et là ça tombe bien que vous la connaissiez parce que avec l'âge, vous savez, j'ai des trous de mémoire des fois. Hein, vous rigolez, hein? Alors tout à l'heure avec Tarek, j'étais dans les coulisses et puis... j'ai eu un, comment on appelle ça, le trou noir, regarde, ma cache. Et il m'est venu les trois premières notes. Je vous les livre, j'espère que vous allez m'aider pour continuer le reste. Vous voulez bien? Pas de problème. Je sais que ça commence comme ça. Là. Ouais, ben, c'est le son, le son. Moi, je vous ai dit, moi, voilà. Ensuite. C'est ça? Ah, ça y est, tout ça y est, ça revient. Voilà. Je vais demander à mon ami Tarek. Ota. Ota. Chintis, you can't be near, I'm near, I'm near, I'm near.
نسيت صحابين القوت وسند بار وسط الزين وقريت سند بار وسليت سيالة يا صيصين نسيت صحابين القوت وسند بار وسط الزين شنيت في روز الطار سليدي جبانين يا راش السين ديد مهار تاسن صار تقديمين شنيت في روز الطار سليدي جبانين حسن صار تقديمين صغير كلين تبورتا ما بينوبا يا ما بينوبا جنجن تيز وكاتيني باي اللي غريبا وقضى الوحش الغابا ما بينوبا يا ما بينوبا
Voici une chanson en français qui parle d'un papa qui voit partir sa fille. Vous savez, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de stéréotypes vis-à-vis de nous. En Europe, pas tout le monde bien sûr, mais certains se font une image selon laquelle le papa préférait ses garçons, filles, bon, tout ça. Oui, Akshish. C'est tout à fait faux. On voulait, à travers cette chanson, montrer que j'ai un papa musulman, qu'il soit de Tunisie, d'Algérie, ou pas trop remarqué, quelle que soit sa religion aussi. Ben, derrière sa poitrine, c'est absolument le même cœur qui bat que celui des autres. Voilà. Sans ma fille, que je vais faire avec ma fille. L'idée de jouer les Signor Vitalis, hein. Regardez ma fille, ce qu'elle sait faire, machin, tout ça. C'est pas le but de la. Et tu veux pas leur chanter un truc en cabine? Oui! En fait, elle a peur pour l'accent. Hein. Bon. C'est l'essentiel d'abord.
Attends, stop. Mais c'est pas la peine. Hein. Je sais comment faire une affaire ce soir. Thank you.
Ah, je ne la refais pas. À moi. T'as vu comme ils sont méchants.
ça fait que... I'm
Thank you.
sujet-là. Thank you.
plus ce disque s'appelle Ama Moali de Béjaï. Thank you.
merci beaucoup de vous être déplacés pour nous écouter. C'est une soirée un peu spéciale parce qu'on est tous entre frères. Et ma première pensée va bien sûr à la Tunisie, à ce qu'elle traverse, avec le secret espoir que les choses s'amélioreront et iront de mieux en mieux. Donc je voudrais qu'on termine par une chanson que l'on fait chez nous et on vit ces moments-là comme étant magiques et on les dédiera à toutes ces femmes tunisiennes qui sont un peu loin de nous pour nous rappeler à leurs bons souvenirs. Cette chanson s'intitule « Ayel Kherenou ». Nous sommes là-bas dans un village. Chacun voudra que ce soit le sien. Nous sommes en été. C'est la période des fêtes et nous sommes justement à la fin d'une fête. Les clameurs se sont tues, les gens ont chanté, dansé. Et comme ça, quand tout s'arrête, soudain, dans la chaleur de la nuit, il y a un chant profond qui monte vers le ciel de Dieu, en général chanté par des dames âgées de chez nous. Imaginez ça dans une région montagneuse avec un ciel si bas, décroché des étoiles. Et quand on entend cette voix éraillée, avec des femmes qui sont autour, qui pousse des huillous une fois qu'elle a terminé son couplet. Je vais essayer de jouer avec beaucoup de plaisir, en tout cas, le rôle de cette dame, et moi, dès que je vous fais signe, vous nous poussez quelques huillous. Voilà, c'est pas que je doute, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit test. D'accord, allez, 1, 2, 3. Yeah.
la Tunisie.